Le Mans 19e accueille Chambly 14e. C'est un match entre promus. Les deux équipes restent sur 3 défaites consécutives. Les voici un petit peu dans le même état, même si Chambly est mieux classé après un très bon début de saison. Mais c'est plus compliqué en ce moment pour les joueurs de Bruno Luzzi. Pourquoi pas se rassurer avec une première bonne opportunité. La première action à l'extérieur avec Florian David. Ça passe au-dessus du but gardé par Jérémy Aimes. Le Mans réagit avec la balle sur le côté pour Aloïs Confet. Reprise de la tête au-dessus. Action intéressante pour les Manceaux. Mais ça ne veut pas sourire pour Vincent Créin. Les deux équipes se tiennent d'assez près. Les Manceaux insistent avec une passe en retrait. Et la possibilité de frapper, c'est sauvé par Simon Pondébé. Le bon tir de Rémi Boissier, rien ne passe. Mi-temps sur un score de 0 à 0. La série de défaites consécutives s'arrêterait pour les deux en cas de match nul. Mais Le Mans à domicile en veut plus. Les joueurs de Richard Désiré insistent, mais s'exposent aussi à quelques opportunités camblisiennes. En voici une avec notamment cette talonnade qui aurait pu piéger la défense du Mans s'il y avait eu un joueur pour réceptionner la balle. Nouvelle action pour Le Mans, la balle au fond des filets. Voici enfin la libération. Un ballon dévié mais qui permet à Vincent Créin de marquer le but qu'il faut à 10 minutes de la fin. Quatrième but de la saison pour Vincent Créin. Il fait un début de championnat très correct. Il a un peu de réussite et il permet au Mans de mener 1-0. La défense de Chambly n'est plus aussi imperméable qu'en début de saison. Et en plus, n'a pas de chance sur ce coup-là. Ballon dévié par Maxence Desrien. Le Mans tient ce résultat et réussit à s'imposer. Victoire du Mans, 1-0 contre Chambly. Thank you.